Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Ici même, Bassin Labou, dans cette émission que nous avons l'habitude de regarder tous les semaines, l'habitude de voir non seulement sur Canal Austral, à la télévision, avec les abonnés de Zéop, les abonnés de SFR, les abonnés de Canal Sat, bien entendu, de Canal Box aussi, et pourquoi pas avec Orange prochainement, puisque nous aurons ce soir des gens de Orange qui seront là ce soir avec nous à la cuisine. Alors, parce que ce soir, la cuisine est festive, hein, avec des gens qui savent faire la fête, avec des gens qui savent cuisiner. Aussi, puisque ce soir on a de la cuisine alsacienne, de la cuisine de l'autre côté, oui, parce que dans Plaisir Créole, le Plaisir Créole ne se limite pas seulement avec le massalé coq ou bien le civet cabri, etc. Tout ça, ou le gaï saucisse, revisité ou pas, hein, mais aussi avec des cuisines venues d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion dernièrement, en tout cas tout ce mois-ci, de voir de la cuisine de Maroc dans l'émission Voisinage. Alors, donc, on s'exporte un petit peu aussi tout le long de ce mois-ci, et donc nous on aura le plaisir ce soir d'avoir quelqu'un avec nous, Jean-Pierre et Yolande. Hein, et Yolande qu'on connaît bien, puisque Yolande était ma secrétaire de direction depuis plus de 20 ans et donc qui a pris sa retraite il y a 2 ans de cela et qui nous fait toujours le plaisir de venir cuisiner un petit peu chez nous comme ça. Et donc ce soir, ça va être un coq au Riesling. Oui, un coq au Riesling. Donc vraiment de la cuisine alsacienne avec un écrasé de pommes de terre, de la salade variée d'Alsace et ensuite le dessert, ça va être le subliminal dessert alsacien qui va être, attends, mais j'espère que m'y prononce bien, le gougloff. Le gougloff, voilà. Hein, donc, écoute, on va aller tout de suite parce que là, il y a quelqu'un à côté de moi là qui est en train de. Nous, ça va, nous là. T'as une jolie coiffure, toi, aujourd'hui. Hein? Ok. Ben voilà, pas mal de gens. Monsieur Sangara Diffé aussi, ce soir, que avec nous. François, bien entendu, derrière la caméra là-bas. Nous profite pour faire un petit coucou à Coco qui n'est pas là, mais qui nous regarde là-bas en métropole actuellement, puisque Coco est en voyage actuellement. Christelle et Chloé qui seront là. On a aussi. Barak et Sophie qui seront là, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Bernard, Goucréole et Edwige aussi. Et puis après, François, nous aura aussi quelqu'un qui est arrivé. Patricia qui est de l'autre côté et qui vient nous rejoindre là ce soir dans cette émission Plaisir Créole sur Canal Austral. Alors, nous, ça va tout de suite. Après, nous retrouvons là dans cette ambiance festive, la seule ambiance que savent faire Canal Austral. Allez, nous retrouvons dans un instant. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Très bien. Alors, on commence tout de suite, alors. Là, on est venu ce soir prendre un peu la température d'un monde qui sort avec sa culture, ils sortent loin. L'île, ils sortent sûrement pas très loin, mais sa culture, ils sortent loin. Ou habite la plaine. Ah, c'est à cause de ça. Il habite la plaine des palmistes, comme là. Parce qu'il y a trouvé un madame, l'amène à l'ici. Non, on l'a trouvé là-bas. Oui, mais là, elle l'amène à où? Voilà. Et puis il l'amène à où ici? L'amène à où ici, voilà. Alors que, mais Lily l'amène à nous.
Le madame est là, le madame est là, avec ses patates. Elle m'a toujours dit ça, quand un banan de la bateau et Malbaresa, ils sortent d'ici tout de suite. Ben ouais, ben ouais. Voilà, voilà. Allons Jean-Pierre, hein. C'est quoi le blanc de Nil? Ah, c'est Marc, ben comment ça? Ouais, excusez-moi. Alors, ben, il paraît que c'est toi qui fais la cuisine ce soir. Ben oui, on va essayer. Attends, on va essayer. On va retourner un petit peu, parce que là, il y a un petit peu d'eau à voir. Ah, voilà, voilà. Là, c'est bien. Là, je suis beau. Là, t'es beau. Là, comme ça, tu claques. Comme ça, il éclate. Mais oui, comme petit. Non, non, mais là, moi, dans l'ombrage. Alors, François, est-ce qu'il connaît pourquoi tu as une casquette militaire? Hein, François, dis-moi. Oui, ben, j'étais militaire pendant longtemps, pendant plus de 25 ans. Ouais. Et puis voilà, j'ai gardé un peu le lézard de l'armée, quoi. Hein. Le lézard, là. Tu étais cuisinier aussi? Non, j'étais gérant du mess. Gérant du mess. Mess officier, sous-officier. C'est-à-dire, on occupe tout ce qui est menu, comptabilité, personnel, etc., etc. On élabore les menus, on fait haute comptabilité, bar, restaurant. Le bar ou la licence 4 où paye des impôts comme tout le monde. Hein, comme même dans l'armée? Ah bien sûr. Ah l'armée paye des impôts? Ah, bien sûr, sur la licence 4. Parce que tout simplement, le mess est relié sur une entrée. Il y a une entrée qui donne sur la rue civile. Ah d'accord. Hein, donc des gens comme moi peuvent venir au mess? Si vous voulez, ayant droit. Ah, parce qu'il y a des ayants droit. Oui, voilà. Mais je paye mes impôts, moi. Non. Ça marche pas comme ça. Ça suffit pas, d'accord. Okay. Donc mes cuisiniers, c'est depuis quand alors? Moi? Oui. Ah ben moi, j'ai passé un CAP de cuisine avant de rentrer à l'armée. Ouais, ouais, ouais. Et puis donc, on a gardé cette chose-là. Quoi. Et aux causes créoles aussi? Bien sûr, mais une cause à un créole cochon. Ce soir, c'est pas du cochon au menu. C'est un créole de cuisine. Voilà. Voilà. Hein, et donc, ce soir, tu vas nous faire quoi? Alors, ce soir, on va essayer de vous concocter un petit coq au riesling, qui est un plat alsacien, évidemment, pour vous avez deviné, et qui revient pas trop cher, parce que c'est un plat qui est très simple à faire, ouais. Et qui a toujours beaucoup de succès un peu partout. Ouais. Et ça se mange pas avec du riz, mais avec du pain? Non, on peut le manger avec des pâtes alsaciennes de préférence. Parce que je viens de penser que j'ai oublié le pain. Il y a une boulangerie ouverte pas loin. Bon, on va trouver quelqu'un dans un restaurant. J'avais dit ça, il va aller oublier ça. J'ai tout pris, mais sans pour le pain. Ouais. Moi, j'ai pas l'habitude du pain, c'est pour ça. Oui, voilà. Alors, non, on peut manger du riz avec. Hein. Alors, raconte-nous, le Riesling, c'est quoi pour les gens qui connaissent? Bon, voilà. Alors, le Riesling, c'est un vin particulier d'Alsace. C'est un vin qui est vif, viril, sec et très fruité. C'est un homme, quoi. Voilà. C'est vrai que... François, quand il parle de vin, on saute dessus, hein. Moi, il me dit... Tout le bien que lui dit de ce vin-là, ouais. Ben forcément, il faut m'y goûter. Ouais. Ah, il faut m'y goûter. Bon, la plupart du vin, là, c'est pour la cuisine. Hein. Alors, François, bien entendu. C'est pour la cuisine, hein. Tu connais, ne boire pas l'alcool. Ben, oui, alors, voilà. Alors, c'est un vin qui est très floral, hein, il a un goût de fleurs, et il a des odeurs de fleurs, de fruits, etc. Et c'est un vin qui a une renommée mondiale très intéressante, qui est un des vins blancs les plus connus au monde. Et chez nous, c'est un vin, évidemment, qui sert beaucoup à faire la cuisine, notamment la choucroute, le pecao, des choses comme ça, le coco riesling, etc. Voilà. Ah, d'accord, ouais. Alors, c'est un vin qui est fameux. On ne peut pas trouver mieux pour faire. Et on en trouve souvent ici dans les grandes surfaces. Oui, bon, ça, il y en a partout. Oh, ouais. Bien sûr. Mais je suppose qu'il y a plusieurs marques de Riesling. Hein. Il y a plusieurs. Il y a évidemment plusieurs coopératives qui font du Riesling. Voilà, ouais, mais ça se vaut à peu près. D'accord, alors, ok. Alors, hein. Bon, écoute, on va te laisser commencer. Voilà. Faire revenir, parce que j'ai vu que tu as fait revenir le coq, oui, hein, puisque c'est un coq de la cour que Daniel a tué cet après-midi. Hein. Et là, bah, comme dans tout repas, plat cuisiné, il faut faire revenir la viande d'abord. Voilà. Hein. Alors, bon, normalement, de la recette. Il faut faire revenir pendant 5 minutes seulement. Mais moi, non, c'est pas mon truc parce que il est trop blanc. Hein, après, il est trop blanc, il n'y a pas de couleur, c'est fade, c'est pas joli. Ouais. Donc, il fait bien revenir, bien doré, bien. Voilà, et ensuite, il continue à faire la sauce. D'accord.
C'est pas compliqué à faire, hein, c'est très vite fait. D'accord, alors ok. Alors, bon, ben écoute, on va voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est d'armes. Voilà, alors si on peut raviver un peu le feu. D'accord, hein. Je vais les voir après, je ravive ton feu. Ouais, hein, d'accord. Ok. Okay. Ouais, comment ça va? Et il est bien. Qu'est-ce que tu as voulu à la patate ce soir? Épluche patate. Ben, madame, il en a après, moi, par les sentiments. Ah, vous ne voulez pas à la régie de Canal Star aujourd'hui? Non. Non. Toute la journée, les bons, ça suffit. Oui. Oui. Excuse-moi, oui. Alors, les pommes de terre, ça sert à faire. Yolande va te l'expliquer, un plouf de pommes de terre. C'est une recette. On a changé de. Ah bon? Vous avez changé? Oui, on va faire un écrasé. Ah, voilà. Oui, bah, c'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Ça remplace le pain, non? Oui, voilà. Le voilà. Mot est plus joli, écrasé. Mais c'est un peu la même chose. Ah, Yolande, bonjour. Bonjour, Jean-Claude. Il vient voir un petit coup. Ah, mais c'est alors, bien, c'est gentil. Alors, les oreilles là-bas, la main ici. Eh bien, c'est les oreilles, la trappe en main. Allez savoir. Il y a quelques années. Ouais, ouais, bientôt ouais. 33 ans. 33 ans, la Réunion. Ouais, ouais, ouais. Oh, ouais. Non, la Réunion, 26, 27. 27 oui. Hein, ça fait 33 qu'on est ensemble. Et oui. Et oui. Et oui. Que de bons souvenirs. Pendant plus de 20 ans. Que de bons souvenirs. Voilà, maintenant la retraite, voilà. Hein, ouais, et plus ou moins. Toujours plaisir de venir cuisiner de temps en temps avec nous. Hein, ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Avec là, plaisir. Là, supportez-moi pendant 20 ans. Oui, et vous continuez encore. Ah, aussi, là, supportez-moi. Enfin, on s'est supporté, voilà. Mais c'était toujours dans la complicité, voilà. Dans l'entente. Bon, alors, voilà. Il y a eu des hauts et des bas, on va dire. Il faut hein. Croire que le jour où elle est venue travailler avec moi, oui. Chloé, qui est là, elle était même pas collée. Et oui. Hein, Chloé? Oui, mais c'était la première année. Bah, ouais. T'es encore de levante? Non, c'était ta première année. Et maintenant, ah, le comité des années, mais avait un an. Ah ben oui, elle avait. Elle est venue travailler oui, chez bah moi. Oui. Voilà. Et voilà. Maintenant, c'est une jeune femme. Hein. On dirait même presque copine. Hein. Voilà, voilà, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Mais vous n'êtes pas tout seul parce que vous êtes madame là, elle vient pas d'Alsace. Très sympathique, hein, je viens de faire sa connaissance là. Alors, c'est comme si on se connaissait depuis 10 ans. Alors, moi, je m'appelle Patricia. Déjà venue une fois avec Coco. Bien sûr, Coco et... ici. Mais voilà. Bien répéter un petit peu oui. Hein, pour les gens qui n'étaient pas là. Oui, fois, super. Hein. Donc, notre bonjour, bonjour. Oui. Big up. Bien sûr. Et donc, François, elle a dit à moi, soit il vient ici, et puis qu'en plus, Coco n'est pas là, il n'a pas envie de faire le trajet tout seul. Allons, on y va. Il dit, comment? Mais viens. Et d'ailleurs, il profite, il dit bonjour ma copine, et un gros big up, elle dit, oh, t'es, même l'émission là. Donc, Karine, big up. D'accord. Et là, on donne un petit coup de main. Hein, voilà. Un petit coup de main en cuisine avec des pommes de terre. Pour la juste, ça fait des pommes de terre écrasées. Écrasées. Mmh. Et écrasées avec une pochette. Ah non, pas du tout. Hein. On met un filet d'huile. Oui. Un petit oignon qu'on oui. fait blondir. Oui. Et puis, on met les pommes de terre. On laisse cuire tout doucement avec un petit verre d'eau. D'accord. Et puis après, quand on enlève le couvercle, c'est cuit normalement. On va laisser une dizaine de minutes, un quart d'heure. Donc c'est cuit. À ce moment-là, effectivement, avec la cuillère, ça se détache, ça se défait. Ça fait la purée, tout simplement. Enfin, une purée écrasée quand même, hein, des pommes de terre écrasées. Ça ne va pas être une purée mousseline. Ça va être des morceaux des pommes de terre quand même. D'accord. Voilà. Ok, alors, hein, il faut dire à tout le monde, hein, c'est pas trop intéressant qu'on compte comme ça. C'est vraiment l'accent de là-bas qu'on l'a gardé. Ouh là là, mais hein, l'accent de là-bas encore. Ah ben, mais tu connais pas. Hein, voilà. Pas vu, donc un petit peu, hein? Si, oh, un petit peu, hein? Quand elle est arrivée dans 25 ans au bureau, mais quand elle se rappelle encore, oui. Elle m'a dit bon, ben à demain, le pain, du boursin, voilà. Ben je vois dit un petit peu moins quand même. Voilà, hein. Et puis nous, les revenus de vacances, on a à peine 3 semaines, mais on a repris l'accent du sud. Ben, voilà, et ben forcément, quand on revient comme ça, voilà. Hein. Mais il peut raconter des histoires sur la cuisine alsacienne. Donc, quand moi j'ai fait mes études aussi en France, j'avais un camarade. Il était alsacien, enfin moitié alsacien, moitié créole. Mais c'est pas ça les histoires. C'est surtout que moi, t'es gagné le colis produit à Réunion, Boucané, tout ça là. Donc, mais ça va à la fac. Dans ma tête, comme il revient, il calcule, il me dit, mais ça fait à soi un bon petit courgail boucané, un bon petit carré boucané. Peut-être c'est une abringe, elle m'a fait aussi. Ben, quand il revient, il voit, n'a plus de boucané. Par contre, il reste un bocal moutarde sur la table. Il dit que ça allait arriver. Dis-moi, c'est ça le schpack, le schpack. Le schneck, snack. Quoi, boucané? C'est du schneck, j'ai mangé avec la moutarde.
Là, la fée l'assassin, elle est très bon là. Peut-être du snack alors. Une prochaine fois, on aura du snack alors. Hein des snacks. Et c'est pas si important ça, snack. Snake, oui. Bon, là, c'est des petits. Des petites saucisses. Voilà, ok. Bon, mais il continue parce que moi, Jean-Pierre est en train de faire revenir son. La change de feu. Quelqu'un a fait revenir son feu. Voilà, ok. Alors, c'est l'ail ou les oignons ça. Vous l'avez pas remarqué. On dirait que moi, systématiquement, m'y coupe les oignons. On m'y connaît pas mon corps. Ben, et pourquoi on a les blancs comme ça, ça. Mais amène les oignons blancs. Ou l'amène les oignons blancs. Oui. Parce que mi-coupe. Vous coupez pas en marqué qu'aux oignons blancs. Les moins forts, les oignons blancs. C'est bon, mais ça, ouais, j'ai entendu du bruit. Les oignons blancs, ils marient très bien avec le vin blanc. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris des blancs. Jean-Pierre, c'est quoi, tu tranches vase? Oui, parce que ça va pas assez vite. Ah, ça va pas assez vite. D'accord. Voilà. Bonsoir, tu t'en fais où là? Moi, ça me trouve un moyen pour. Comme ça, on n'a pas une grosse affaire rouge dans le milieu de l'écran tout le temps. Là-dessus, on a une bûche de Noël. Une bûche de Noël? Donc, comme on est encore trop bonheur pour la bûche de Noël, donc nous cachette. Mais nous peut montrer quand même. Hein. Monte un petit peu. Mais c'est un steak. C'est vrai, un extincteur, voilà. Mais il trouve l'idée un peu trop voyant. Un peu voyant. La caméra, elle est là. Ben, il vient de chez lui. Alors, tu m'as trouvé un système pour... Mais maintenant, là, même si vous ne te cachez pas, tu dois Dominique connaître. Ben, non, maintenant, tu connais que sous le torchon, il y en a l'extincteur. S'il y a un problème, il est là-dessous. Voilà, il est là-dessous. Et madame, là, je comprends que dans un pays volcanique, il faut que tu joues à l'extincteur. Ben, d'avoir pour éteindre le feu. Ouais, pour éteindre le volcan. Pour éteindre le feu. Mais ça me dit, comme ça, où t'es gardé un volcan un peu? Si. Ben là, dis-moi ça, comment t'es petit. Et m'y trouver, t'es un moucatage. Mais en fait, après, vous dites, mais c'est un bon affaire, ça, gardien volcan. Attends, les pas donné à tout le monde. Bien sûr. Et comme bon gardien de volcan qui se respecte, vous l'obligez de marcher un coup de stincteur. Voilà, mais marcher avec mon stincteur. Voilà. Okay. Bon, mais ça, moi, j'en veux. Alors, regarde la cuisine, là. Ok, regarde ça. Hé, mamie. Trois cuillères dedans. Des petites cuillères. Hein. Jean-Pierre, vous savez bien ça. En Alsace, on fait comme ça. Non, on a trois cuillères. Non, mais ça va plus vite pour moi. C'est-à-dire, pour faire un plat, il sort 10 casseroles, 5 cuillères. Ah non, mais il gagne mal de tête. Mais ça va ailleurs. Ouais. Mais après, il lave, il range et tout. Hein, il est organisé, voilà. Mais à moins de donner mal de tête. Mais au fur et à mesure, il m'a fini, il range. Oh là là, de voir la cuisine avec 50 ustensiles. Voilà. Ça, c'est de l'ail, ça. Hein. Et de l'ail, là, tu coupes ça comme ça, en petits morceaux comme ça. Ben, il change un peu d'écrasé. Après, de toute façon. C'est Charline qui est arrivée. Charline est arrivée. Mais Charline n'est pas arrivée. Comment ça va aussi? Non, mais moi là. De toute façon, ça divise. Ok, parce ça. Ah oui. La cuisine en Alsace là-bas. Oui, voilà. C'est tout compliqué, hein. Mais ça tout fait aussi balayer pas fait. Charline nous montre. Mange quoi? Cuisine alsacienne. Mais elle va goûter. Va goûter? Ben oui. Les bons. Mais là, ça goûte pas les haches. Premier. D'accord. Mais bon, là. Madame Monade. Oh. Il dit cuisine alsacienne, n'a rien de compliqué. N'a rien de compliqué. Non. Et vous autres, c'est pas qu'ils l'ont là-bas, alors ils achètent une partie de morceaux comme ça. Ben non, nous rave, on vient écrase. Bon. Ma belle-mère, elle fait comme ça, mais fait comme elle. Voilà. Si elle l'a appris, elle m'a fait ça. Ah, voilà. Bon, alors, d'accord. Mais du coup, le belle-mère, elle a fait oublier le bon pilon la réunion. Ah non, ça, c'est la cuisine créole. Là, elle fait comme ma maman. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, pour voir vraiment le changement, donc m'y applique un petit peu. Bah, on parle d'égalité entre l'homme et la femme, et ben on parle d'égalité entre les femmes, mais pas mal non plus. Hein. Ah ben oui, oui. Écoute, la belle-mère à la maman. Hein? Ouais. C'est bon. Tu fais partie de la recette. Ah ben oui. Il y a une petite bouteille à côté. Oui. Mouna, elle est marquée grand cru. Tu es. Le vin, c'est Jean-Pierre qui explique. C'est ça, là. C'est une bouteille du commerce. Non, en fait, la dealer même, ça, pour faire flamber. Flamber? Ben, pas d'après l'anaconia. C'est un flambé? Flambé, mais demande le chef là-bas. Flambé! Le chef veut expliquer son flambage et l'origine du vin. D'accord. Voilà. D'accord, alors. Bon, n'est-ce pas les solides? N'est-ce que les flambent pas trop? On va pas ouvrir la bouteille. On va pas ouvrir la même bouteille.
ça sent. Ça sent le cognac là. Ah bah oui. Ah ouais, ouais, ça c'est. Ça c'est du vrai cognac ça, hein. Ah, ça. Et ça flambé avec ça. Enfin, ouais. Tu vas flamber avec ça. Oui. D'accord. Il n'y a pas de fille là. Et ça donne les presque revenu là, non? Oui, là, presque revenu. Hein, on est bien revenu là. T'as rajouté quoi, ça, un petit peu de noix dessus là? Voilà, alors, m'a rajouté des oignons, des feuilles de laurier. Patrick, vous pouvez croire à la faire comme ça, on va tant de causes françaises qu'elles auraient gardé pour le moins créole. Oui. Vous comprenez? Oui. Hein? Délicat cause créole? Yeah. Yeah. C'est du poivre. Du poivre, voilà. Du sel, hein? Des oignons, feuilles de laurier. T'as déjà rajouté tout ça? Voilà. Et là, maintenant, mais laisse encore un peu. Feuilles de laurier, oignon et poivre, hein. Oignon, c'est tout, hein. Poivre, c'est tout, hein. Sel. Et sel aussi, hein. Voilà. Il faudrait que j'aille la prochaine fois, là, hein. Dis à nous quand il rajoutait la fête dedans. Oui, ouais. Mais après, comment les criez moi dans le chemin? Demande moi comme ça, hé, il m'a pas dit que ça rajoute dedans. Ah non, demande à lui, Jaoli. Dis-moi, il a. Jiri. Jiri. Garde pas secret, la sauce sel. Garde pas secret, lui. Garde pas. Est-ce qu'il a fait de monde comme ça, garde secret, non? Oui. Et il y a plus de monde vraiment du pas dans votre secret. Ah, des fautes de nez. Ah oui. Mais s'ils n'ont pas, va perdre dans l'oubli. Hein, c'est ça, non? Oui. Ben, et après, de bonne génération, il vient, comment on va faire? Il vient à quitter. Oui. Ah, où va prendre comment? Comme ça. Comme ça, comme ça? Ah, ben oui, comme ça. Pas de maman, pas de papa, rien du tout. Oui, avec un bec et maman, papa. Ah, ah bon? Hein. Parce que Banaï, il connaît où maintenant ce qu'elle a l'Australie? Oui. La cuisine, là. Ah, où c'est l'affaire? Vous connaissez ça? Les bons, hein? Les bons. Les bons, alors. Hein, dis-moi, vendredi, bien. Oui. Vous connaissez qui s'est fait la vendredi? Ah. Toto. Je me souviens. Vous connaissez Toto? Oui, je connais Toto. Bon, vendredi, Toto, alors. C'est bon. C'est bon, alors, ok. Avec cette bouteille-là. Rajoute, c'est du cognac, mais rajoute le cognac, bien fait. Flambé au cognac, hein. Voilà. On va faire flambé au cognac. Voilà. Ah ouais. Ah, donc là-dedans, il y a des oignons, il y a des feuilles de laurier. Faut mettre la bonne dose. Et puis, une bonne dose, hein. Et puis du poivre et du sel, hein. Et là, voilà. Tu vas flamber. Et tu vas flamber avec quoi? Tiens, il y a une flamme là, regarde. Ah ben, j'ai rien pour le flamber, ben, ça fait rien, même si je ne pas flamber. Hein. Ouais. C'est dangereux, ça, c'est là. Voilà. Tu vas le chauffer là. Ah, ça va flamber des poils en même temps. Ça sent le cochon. Maintenant, monsieur Sangara est là. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va encore. Vous l'avez rejoint à nous alors? Ouais, on est venu voir Zotin un peu, il y a longtemps, il n'y a pas qu'on dit. Attends, je me suis dit, du coup, parce qu'Ali, il fait sa veille, il n'y a pas rien après. Et là, tu rajoutes quoi? Là, on rajoute vin blanc, Riesling. François, vu comment il est armé, hein? Au thé, non, ça, un bouc, c'est à Yus. Ah, du Riesling après, hein? Donc, ton vin blanc directement comme ça. Oui, oui, oui. Alors, on répète tout au long de l'émission que là-dedans, là, il y a du sel, il y a du poivre, il y a des petits oignons blancs et puis il y a des feuilles de laurier, voilà. Tu vas flamber au cognac et ensuite tu rajoutes ton vin blanc, voilà. ton Riesling, hein. Voilà. Voilà, hein, le Riesling. Après il est 30 minutes, le temps de boire l'apéro. Et Jean-Pierre, elle a dit comme ça, dis pas ça dans la télé. Il faut boire. Comment? Avec modération. Sans modération. Si, genre, bon, non. Ah bon, bon? Avec modération, là. C'est comme monsieur Sangara. Monsieur Sangara, on boit pas la taille tout. Non, non, non. Bois, mais bois. Mais bois du jus. Bois du jus. Mais bois pas l'alcool. Tu n'as jamais boit l'alcool de vie? Non. Mais quel âge est là? Hein? Quel âge est là? M'y viennent rendre 85 ans. Et là, on boit pas jamais boit l'alcool? Non, mais ne fume pas, ne boit pas l'alcool. Ah bon? Parce que pour ce que m'y fait. Prendre de mon service. Il fait des sommes pour le mon service. Si de mon a besoin moins, de téléphone à moi. Pour ce que m'y fait dans les quatre religions. Mais il monte pas comme ça, ça fait cinq. Ouais. Il monte pas comme ça. Oui, oui. Dans les quatre religions, tout ce que m'y fait, tout ce que m'y connaît, de mon ne connaît pas. Ouais. Non, de mon ne connaît pas. Bon. Et m'y fait des sommes. Hein? Il faut respecter la loi des quatre pyramides. Oui, oui. Oser. Vouloir, savoir et se taire, ferme-vous. Quand vous faites des choses, c'est rien que les yeux et regarde. Il ne faut pas prononcer rien. Parce que n'importe quoi, vous pouvez devenir fou, vous pouvez disparaître. C'est pour ça qu'elle a dit comme ça, elle peut mouler ni fou parce qu'elle a mauvais langue, mauvais livre, mauvais livre. Oui, parce que ça s'appelle pas mauvais livre, ça s'appelle manuel de travail. Ah! D'accord, alors. Là-dedans, mauvais livre, alors. Ouais, manuel de travail. Oui, oui. Là-dedans, il apprend des choses. Mais seulement, il en a des mots, il ne faut pas prononcer. Ah bon? Ouais, c'est pour ça, quand on regarde là-dedans, c'est des yeux qu'il y a. Ah
Il prononce pas la bouche, il dit pas les mots, tout ça là. Il regarde seulement. Il prend pas. Il arrive à des choses. Parce que sinon, il est impardonnable. Ah, comme la midi de monde. Hein? Midi de monde. Lucifer, la fille retourne sur la terre, la rive sur la terre. Écoute bien ça, comme midi ou ça. Lucifer, la fille retourne sur la terre avec son armée. Avec son armée, vous connaissez combien là? Son armée, c'est. Combien il fait? Vous connaissez combien il fait? Son armée fait 7 950 000 diables. Ah bon? Oui. Et bon. Tout ça là maintenant, il rentre dans le corps de monde, sur la terre. La poussème la terre sur la terre. La pour mettre de feu partout sur la terre. La pour tirer de monde partout sur la terre. Voilà. C'est pour ça que maladie arrête 90 ans pour la race humaine. Après tout ça là. Mais tu vas dire, ça de 3, 5, 6 ans de cela là. Mais moins. Mais faire mes yeux, ouais. Hein? De mon j'y tiens de mon partout. Oui, oui. Hein? De mon y mettre de fée. De mon sème la terre partout. Bien fier aussi la terre. Et si vraiment on a dit, bon Dieu en l'air. Mais bon Dieu en l'air, quand il, si vraiment en l'air, non, bon Dieu. Quand il regarde de mon dans le fond, il doit dire, allez crever, bande de maudits. Parce que la race humaine, il fait beaucoup de choses pour déplaire ce Dieu-là. Vous l'avez compris? On l'a compris. Tout le monde, il fait des choses pour déplaire ça. Bon. Comme là, toute bonne zen, il respecte plus autre moment, rien. Coup de claque d'agal, autre moment. Coup de pied dans le derrière, autre moment. Et s'il est catholique, quand il arrive dans l'église, il lève son des mains en l'air, là, il prie. S'il est tamoul, lui ça va devant le temple, il tombe à terre, les combras. Hein? Tombe dans le plus haut moment. Haut moment, bon Dieu. C'est que là, du bon Dieu, là, en l'air, là, bon Dieu, là, là. Quand il était sur la terre, là, où tu es passé sur la terre, il ne connaît pas où, il ne connaît pas lui. Où il entend son nom aujourd'hui. Mais où ne connaît pas où, il ne connaît pas où, il ne connaît pas lui. Où il ne peut pas dire, où j'adore lui. À d'autres moments, tombe dans le plus haut moment, embrasse le plus haut moment, ou à gagner la grâce, ou à gagner la chance. Ça, mon Dieu, c'est que la porte de son sein, la mettre au monde, la baigne à où, la mettre l'insi où, la porte partout, la soigne à où. On doit avoir un grand respect pour le moment, on ne doit pas maltraiter à lui, on ne doit pas menacer à lui. Hein? Vous devez faire ça. Bon. Mais si bien, monsieur le gars, nous on court à l'instant. Allez. Parce qu'il me dit, Jean-Pierre, l'autre côté, là, il vient mettre de l'eau là. Jean-Pierre, c'est pourquoi ça? On va rajouter un petit peu de l'eau dedans. Bah oui, parce qu'il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez de vin. Ah oui, parce que. Sinon, on va te bourrer complètement. Hein. Bonsoir. La parfum de cette veuve. Non, mais là, il a peur que nous les sous. Là, il y a Manu. Elle a fait une machin, ça. Ça a fait une cuit. Et la Béana aussi, la rejoint à nous, là. Béana, comment ça va? Oui, depuis tard, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Oui. Ben, vous l'avez vu, aujourd'hui, ce soir, c'est la musique, la cuisine alsacienne. Ouais. C'est ça, on veut savoir, alsacienne, mais le menu appelle comment? Cocorigine. Alors on a fait une tourte, on a préparé une tourte avant en entrée, ouais. Hein, une tourte à la viande, hein, viande de cochon, ouais. Et puis en dessert ce sera un kouglof, c'est complètement alsacien là ce soir, et puis en légumes... J'ai dit un kouglof moi. Kouglof, oui. Ah c'est ouais. Bon alors oui. François, vous l'avez, il ne m'a pas trompé dans mon introduction, hein, pour la fille de moi, dans mon introduction. Et hein. D'ailleurs, si vous ne gagnez pas dit le mot, vous ne gagnez pas pour manger. Vous ne gagnez pas pour manger. Voilà. Gouglof. Comment on dit ça où? Gouglof. Voilà. Patrick, vous pouvez répéter ça où? Gouglof. Comment on dit ça où? Gouglof. Gouglof. En légumes, ce sera un blouf de pommes de terre. Un blouf pomme de terre. Non, mais c'est un écrasé de pommes de terre. Oui, c'est pareil. C'est pareil alors. Alors, ça, c'est donc des pommes de terre écrasées, hein, oui. Une fois que c'est bien bouilli, avec du vin blanc aussi. Oui. Et puis du sel, du poivre, et puis un peu d'oignon. Voilà. Mais vous c'est utilisez tout. Beaucoup de vin blanc dans votre cuisine? Bah oui, c'est pour ça qu'on... C'est pour ça qu'on... pour moi, je croyais que ce soir, on va manger de la soucroute. Quand il dit alsacienne. Ouais. Ah ben c'est super. Tu sais quoi, toutes les gens, ils travaillent trois brasseurs de Sainte-Marie. Ouais, ce midi, on mange un soucroute là-bas.
Ah bon? Oui. Elle était pareille comme il donne à ou pas les mêmes ou. Non, mais très bien, elle est très bon. Moi, de toute façon, à chaque fois, il va manger une soucoute là-bas. Alors, ah, bah, c'est super, bon, alors, hein, il va dire les bons alors. Trois brasseurs, c'est Marie. Super, voilà. Hein. Ouais. Et ce soir, on va refaire la cuisine alsacienne. Hein. Et j'ai vu dans la cuisine alsacienne, c'est pas très compliqué parce que là, dans ton coq, là, hein, il y a seulement du sel, du poivre, des oignons. Voilà, on a pris la recette simple. Après, il y aura la crème fraîche, les champignons et tout ça. Tu mets de la crème fraîche dedans? Oui, à la fin. À la fin. Et champignons aussi. Et puis bah, c'est tout, un peu de farine et puis de jaune d'œuf. Ah, de la farine. Oui. Pour faire quoi, un roux? Oui, oui, pour rodiller un peu la. Tu veux faire un roux aussi? Non, non, non. Pas de roux? Il mélange attends, avec attends, un. Attends, je vais demander à François s'il connaît le roux. François, ah, oui, oui, il paraît, le roux c'est moi. Ah, écoute, bien sûr que je le connais. On mélange pas le roux. Hein. Après en cuisine, quand ils mettent la farine à la fin, enfin la farine, voilà. Pour le manioc mélanger avec de l'eau pour liaisonner. Pour faire le jus. Pour faire une petite sauce plus costaud. Plus costaud. Voilà. Plus... Ça s'appelle un roux. Alors, hein, voilà un roux. Voilà, donc, mais les meilleurs roux, ce sont quand même les roux réunionnais, les gardiens volcans, comme dirait l'autre. Voilà, les roux réunionnais. Voilà. Et dans ce roux-là, j'ai pensé. Parce qu'il ne roule pas, il n'y a qu'un roux, il faut deux, non? Non, non, il roule sur un roux, hein, mon avis. Deux, c'est vélo, un roux, c'est un roux. Un roux, c'est monocycle. Ah, ouais. Le monocycle. Il roule sur un roux, combien alors? Il peut rouler sur un roux, non, il peut rouler sur la jante. Mais là, il n'est pas bon. Allô, 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 allô. Bonne travail, là-bas. Bonne qui? Agathe a dit comment il travaille, là, hein, Patrick? Ah, vous travaillez, là? Où sont-ils les bouteilles? On ramasse les bouteilles. On ramasse les bouteilles? Ah non. Non, non, ramasser, c'est plus jeté. Ah non, plus jeté alors. D'accord. Parce que c'est aussi de pas ça, on connaît. Le pomme était écrasé là. C'est moi. Mais attends, le feu, parce que comme le chef est devant le feu, on peut pas être à deux. Ah ouais, ben c'est bon, alors, on va commencer. On peut commencer. Écrasé, alors, hein. Voilà, écrasé de pommes de terre. Écrasé de pommes de terre. Charline, ce soir, là. Charline, viens, là. Monte tout au poids. Monte tout au poids. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Et passez ailleurs, hein. Et passez ailleurs. Vous connaissez ça, Yolande, ça fait? Oui. Non. Yolande, il appelle ça en créole, hein. Jean-Pierre, comment ça s'appelle? Jean-Pierre, sans plus oreilles. Jean-Pierre, sans plus oreilles. Écrasé de pommes de terre. Écrasé de pommes de terre. Simple. Simple et bon. Hein, enfin, écrasé comment? Ah, mais dans la marmite. Ah, il écrase tout seul, si tu veux. Comme la purée. Okay. Mais enfin, bon, on aura des morceaux. On mange la purée. On aura des morceaux. Si on y mange la purée, là. Il n'a pas les dents, c'est Yolande. Non, mais il change un peu. Ben, oui, hein, oui. Du riz voilà. Tous les jours. Hein. Oui, on va changer un petit peu. Vous faites tiens ou dentier, ou tu peux déposer. La repouette. Ben, vous voyez, dans mon fait comme ça. Écoutez, ben oui. Pourquoi pas? Je connais pas beaucoup. Ah, ma sœur, coucou, Marie-André. Ouais. Et puis, bon, elle aussi, là, en France, ça va. Ben oui, Gwen, oui, ouais, en plus. Hein, eh ben, toute la famille. Toute la famille, alors. Bien sûr. Mais bon, alors, ok. Allez, nous retrouvons à l'instant. Allez, tout à l'heure. Hein. Avec modération. À peu près 3 cuillères d'huile, hein. Voilà, on peut mettre un petit morceau de beurre avec, mais bon, nous, on est en créole. Bien sûr, on est habitué à l'huile. Ouais, ouais. Okay. Ben oui, me regarde, m'observe. Ouais, ouais. Ça, c'est la fée, on ne fait pas souvent. Ben non, ben me regarde. Maintenant, on va faire un petit peu, non? Voilà, on va mettre les oignons et une petite gousse d'ail écrasée. Moi, je trouve que le banane, pas grand-chose dans l'autre. À nous, c'est un compliqué, mon père, Mathieu, on peut l'arrêter dedans. Ah oui, pas tes épices. Ça, c'est des plats particuliers. Si on commence à faire des plats sophistiqués, c'est très cher, d'abord pour commencer. Ouais. Et puis, c'est long. Voilà. Là, comme c'est très simple, alors. Hein. La dernière fois, comme j'ai fait le coco vin. Ah ouais, le coco vin. C'était trop compliqué, ton coco vin. Ouais, mais encore, c'était pas tout, parce qu'il manquait le foie gras dedans et tout ça. Ouais, non, donc, le coco vin, il y a du foie gras oui, dedans. Oui, dans la recette. Ça arrive. Hein, il faut travailler. Bon, on peut prier, hein, comme plat comme ça. Un coco vin, foie gras dedans. Hein. Alors, donc... faire revenir un petit peu, sans colorer, hein, avec deux petites feuilles de laurier pour donner du goût. Ouais. Et puis nous mettre le thym. Oui, bon. En Alsace, nous utilisons beaucoup le laurier. Même dans le sud-ouest. Hein. Ils donnent vraiment du goût. Ah oui, oui, oui. Mais sans trouver le laurier aussi. Eh bien, le laurier, on trouve ici, comme en métropole. Maman plante un petit pied dans mon jardin. C'est comme ça maintenant. Ah bon? Il fait 50 cm, oui. Et à cause de casse les feuilles tous les jours, la plus grande fois. Ben, comme elle est revenue de vacances, maman a un paquet comme ça. Ah, donc, il laisse la mienne pousser maintenant.
Mais est-ce que je peux ramener un petit peu pour moi? Voilà, on va voir, il parfume très bien. Voilà. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre encore dedans. Après, hein. Donc, les pas colorés, mais mettre les pommes de terre, c'est assez fin. Ah oui, hein. Voilà. Bonjour, ça va pas la faire le mange pas tous les jours. Non, mais regarde, mais souvent il fait affaire, il ressemble un peu ça moi. Parce que moi mi connais mi fois un coup de tête dans le frigidaire, mi regarde connena et puis ben mi fait avec. Ah mais c'est ailleurs. L'entrée, mi a juste un petit peu de vin blanc. Sel et poivre et c'est tout. Major qui nous ramène à l'accent encore. Vous avez vu comment il dit vin blanc? Vin blanc, comme. Vin blanc. Mais on n'a jamais remarqué que malin garde l'accent. Hein. Oui, oh, ben au bout de 17 ans à Toulouse quand même. Hein. Ah, bah ouais. Même elle a grandi à Toulouse. Hein. Ah, un peu. Peut-être qu'il avait. Mais il garde quand même un monde tous les jours à côté de lui. Ah oui. Donc, du coup. Il est comme ça tous les jours à côté où là? Où l'obliger quoi un petit peu. Vin blanc. Il y a un client sans où? Ah ben écoute. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Et donc le camp il cuit toujours, hein? Oui, oui, oui. Ah ouais? Il est un peu dur, hein? Donc, ah ben voilà. Oui. Ah. Ça, c'est comme la cour, ça? Oui. Hein, comme dans la cour là-bas, ça. Ah, vas-y! Ah, au fil d'une bande pour la volée ou non? Mon vin blanc. C'est dur, ça? C'est trop dur, ça? Dans le frigo. Tiens, maladie, ouais, d'un moyen, malade, ça vous tourne, toujours, on a longtemps de ça, on avait un madame qui est mort maintenant. Hein. Et elle y débarque à la Réunion et elle y a les oreilles. Hein. Et puis elle vient faire l'école ici, mais elle a longtemps. Et puis elle y entend parler de mon à l'école. Ça, il dit il faut battre les mangues vertes. Mais un jour, la maman Coco, il trouve à elle, il dit couche toi une fée ou là. Les tremblements, ils battent à terre, dit il faut battre les mangues. Donc ils battent les mangues. Il a pris ça au premier degré. Il a pris comme il a compris. Ah voilà. Voilà, exactement. Du résine dedans, hein. Du résine. Hein. Mais le résine, il a toutes les sens ici. Hein. Mais il commence à être tracassé, moi, là, parce que à force, à force de mettre dedans dans la cuisine, là, nous boire, pas ça du tout, non. De l'eau, c'est pas mal, hein. De la cuisine. Le résine, là-bas, est-ce que t'as couché ou non? Ah, oh, ben écoute, il faut ça. Parce ouais, que ouais. Dans la cuisine, oui. Le résine, hein. Deux, trois fois par semaine, cuisine au vin quand même. Hein. Ah, bon, ah oui. Ouais. Du moment les cuits, après, ne risque plus rien, mais le goût... Le goût est bon. Oui, hein, ça arrive. Hein. Ah, aussi, est-ce que vous croyez un bouteille de vin royal là-bas, chez vous, là-bas? Ok. Hein, parce qu'à nous, c'est vin royal. Ah, ouais. Le vin royal, c'est le civet. Mais là, c'est bizarre. Ah, mais de nous jouer à la vin royal, est plus trop bon, hein? Ah bon? Ben oui. Écoutez, un petit peu de vin. On dirait les pires royales. Non, les pires royales. Les pires royales. Du moment, c'est du vin, hein. Des fois, pour la cuisine, c'est pas... Surtout qu'elle fait un bon civet. Yolande, c'est quoi ça? Alors, un petit peu de persil. Oui. Pour donner du goût. Voilà. Et puis on va couvrir tout doucement, on va laisser mijoter. Hein, on va rajouter un petit peu d'eau peut-être. Onctueuse, là, hein. Ouais. Vous l'avez vu, hein? C'était un gros mami pour le dire, mais elle a bien. La machine est en route. C'est comme un robot là, il tourne, il tourne. On va rajouter un petit peu d'eau dedans. Ben oui. Ah, elle est bien là. Un petit peu d'eau dedans, après il laisse cuire. Voilà. Ah bon. Oui, laisse bien faire. Et qui ça, tu peux m'amener pas pomme de terre? Comment tu ah, manges ça? Ah bon? Ben oui, mais dans le temps longtemps, il faut dire, ben, tu connais pas fait cuire. Tu connais pas fait cuire. Mais longtemps, tu mets pommes de terre dans toutes les affaires. Ben oui, vous connaissez pommes de terre. Pommes de terre, c'est un bon légume. Et Yolanda, je t'appelle ça. Mais laisse ça, vous retournez. Patate. Et Jean-Pierre, comment tu dis ça, toi, les patates? On va couvrir maintenant. Artepe. Comment? Artepe. Il parle en sassienne. Ah, d'accord. Quand il était malade là. Ou dit Bouga, ça tombe faible. Bon, ben nous laisse, ben, nous couvre là. Cuire, là. Tout doucement, oui. Voilà, ça va réduire ça, et sera le d'abord, écrasé. Hein. Mais quand même, écrase automatiquement bien. Oui, tout à fait. Nous allons mettre un petit feu. Mais Bouga, il y a chier ce soir. Côté, aspire cuit. Là, les 100% aspire cuit ce soir. Miwasa. Voilà. Maintenant, attends, maintenant. Il va mettre la cuillère par ici, comme ça. Jean-Pierre, elle a fini là, toi? Où est-ce que la feuille là, ma pas vu là? Bah, la rajouter la crème fraîche.
T'as rajouté la crème fraîche dedans? Oui. Seulement la crème fraîche? Oui. Hein? Et t'as fait dans ton roux? Voilà. Non, non, pas en fait. On n'a pas la farine de la case, là. Non, on n'a pas le farine. Où sera puni? Bah oui. Mais même pas le tout de manière pas la case, là. Ah, où ça allait nourrir, où? Bah, où rien de là? Ok, mais aussi, qui m'a mis un petit peu la farine pour de la case, c'est à dire. Ok, mais c'est à dire, oui. Longtemps, la banane, c'est comme ça, un col, il faut un peu de riz dans mon case. Bah oui. De riz, mais là. Mais, vraiment, la farine. Non, non, non. Bah oui, du moment qu'on a de riz, un peu de sel, un peu de l'eau, les bombes, ça même. Ça, le poivre est bon. Bah oui. Vous connaissez pourquoi les riz, on est sont diabétiques? Hein? Parce que manger de riz? Non, parce que la moelle est doux. Explique à nous un petit peu là. Ben, ça tout c'est elle, et pas pour tout le monde la moelle est doux. À cause de la diabète, un petit coup là? Ben, pourquoi la diabète? C'est parce qu'on prend un beau petit, mais parce que la moelle est doux. Bon, t'as pas demandé ça. Du coup, c'est étendu là. Dernière, prends des choses. Prends des choses. Ah, ouais, je ne connais pas. Ah, ou boire quoi? Ou boire quoi? De tout. Non, presque, pas tout. Comment on voit le plat de Jean-Pierre là? Elle est jolie, hein? Jolie? Elle donne envie, bah. L'allié a rajouté la crème fraîche dedans, il peut dire mon Riyama, pas vie. Ah, bah oui. Maintenant, on discute avec Barak là-bas. Ah, c'est ça. Oui, tout le temps, quoi. La vie va aller aussi avec nous là. Valère, comment elle est? Elle est là, Jean-Claude. Ça va? Bah, elle est fatiguée. Fatiguée? Bah. Ah, trop. Ok. Ben, moi, comment là? Mais là, combien canal sera? On met le t-shirt canal sera, le combien là? Bah, ouais. Il faut mettre un peu le canal austral aussi. Allez, canal austral est international maintenant. Ah bon? Ah ben, tout le monde y garde ça. Ah ben, actuellement, on a une émission sur le Maroc. Vous l'avez, il ne m'y mentit pas. Oui, vous ne mentit pas, vous ne mentit pas. Bah, bon, en plus, dans le bouquin, il faut qu'il y ait quoi qu'il y ait maintenant. Coca-Cola? Bah, Coca-Cola. Non, Coca-la-crème. Coca-la-crème? Ah, Coca-la-crème alors. Ouais, aïe, aïe. Tout le temps, dit qu'on m'a salé, mais là, Coca-Cola. Olé, bien. Coca-Cola. Mais là, elle est bon. Vous l'avez vu ça, les histoires les 45 poissons de Réunion sont diabétiques? Ouais. Pourquoi ils sont diabétiques? Parce que la moelle est douce. Ah bon, parce que la moelle est douce. Mais bon, c'est pour ça qu'on a répondu, des fois, ils piquent aussi. Oui! Il pique, il brûle des fois. La montagne, non, on est deux ensemble. Les deux ensemble, ouais. Okay. Donc Jean-Pierre, là, tu fais revenir ton oui. coq là. Hein. On a changé de situation, on a envie. Oui. C'est bon, on a c'est fini sel, là. C'est bon. Charlie, oui, c'est bon. Oui, très bon. Très bon? Oui. Mais oui. Comme elle est sel, ben si, c'est bon. C'est bon alors? D'accord. Super. Alors. Bon, il peut manger alors. Le plouf. C'est ça, comme ça, tu passes à le plouf. Le plouf, c'est ça. Le plouf, il est bon? Allez, où? Allez, vas-y. Bah, où les fragiles comme ça, donc? Ouais, il dit d'amour les doux, les fragiles comme ça. Mais, le plouf est écrasé? Bah oui. Bah oui, non, le plouf, c'est pour ça. C'est comme la bouse de vache, là, quand il met dans l'assiette, il fait plouf. Ah, oula, bon, il y a tout le temps de manger. Charlie, m'a écrasé le pain de pomme de terre? Bah oui, il est bien écrasé. Elles ont écrasé entre temps? Non. Si, un petit peu. Un petit peu? Oui. C'est un écrasé de pommes de terre, c'est pour ça que j'ai écrasé même. Ah d'accord. Hein? Mais Yolan appelle ça un écrasé de pommes de terre. Et toi tu appelles ça un plouf. Oui. Un plouf. Oui. Ouais. Ouais. Eh, regarde, il dit pourquoi il fait plouf là, regarde. Ouais. Tiens, regarde. Ah ou Rio. Donc plouf là. Et c'est comme ça que les Alsaciens mangent. Voilà, exactement. Eh ben. Quand on sert. On sait quelqu'un là, il fait comme ça là, il trappe comme une lettre dans la sette. Elle fait plouf. Fait plouf. Eh ben dis donc. Eh ça, c'est il boit quoi normalement? Ah ben il boit du vin, il boit de la bière. De la bière surtout, hein? Ouais, ouais non, ouais. Beaucoup de vin. Beaucoup blanc. De vin, oui. Vin blanc? Ben, oui. Ils sont capables les Alsaciens? Non. Ils ont pas de goutte? Bah non, il prend un Adenuric 80. Ah oula, c'est le pire. Il donne la marque toute. Oui, comme moi. Moi aussi, je prends un Adenuric 80 tous les matins. La goutte. Ma pile la goutte. Hey, il est magique, ça, hein? Ah, ben, ah, regarde à moi. Ah, aussi? C'est vrai, non? Donc, Adenuric 80, il est bon. Tu lui fais la pub pour Adenuric 80. Ah, bah, il fait rien. Il fait rien? Bah, bon. Bon, il fait rien, hein? Bah, bah des bons comme ça. Il mange quoi tous les jours à Pâques, à choucroute? Ben, il mange le Pekarofa, il mange tout ce qu'on trouve en Allemagne. C'est pas ça. De quoi? C'est la tarte flambée. La flambacure. 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 Oui, voilà. Ouais, c'est tarte flambée. Tarte, hein? Tarte flambée. Voilà. C'est très bon. Très bon. Bah oui. Un jour, il fait beau. Un jour, il fait pour moi, alors. Très bon, pourquoi?
Ah ouais, mais on voit pas où trop, on est un petit peu dans le fenoir. Mais ça va pas brûler quand même. Mais là, après le brûler, d'accord, non. Mais pourquoi il y a un médicament pour tirer la goutte, ça? Parce que le confinement, tout ça, boire ça, ben blanc, voilà, le sucre, tout ça. Mais il faut faire des tonnes maintenant. Donc, comment où? Ben moi, nous, on va pas la goutte, moi. Mais jusqu'à maintenant, on va pas. Mais il souhaite que nous n'aurons pas du tout. Si le zoo mal, on aura. On va prendre l'île. On prend le générique 80. Générique 80. La Vendée, oui. La Roche-sur-Yon. Oui. Et après j'ai monté à Paris. Oui. J'ai monté à Paris, j'habitais à Vincennes. Combien de temps on a fait en France? Pas beaucoup. Hein? 18 ans. Non. 18 ans en France? Ouais. La vie j'en ai pris à 18 ans en France. Ouais. Voilà. Ouais. Et ouais. J'habitais à Vincennes, ouais. Et je travaillais dans Paris. D'accord. Voilà ce que j'ai fait. Ben, j'étais le seul à commander 14 blancs. Je sais pas. Le sel noir. Ah bon? Ouais. Alors, ouais. Ouais, ouais, ouais. On travaille alors? Ouais. Ouais. Et je passais mon temps à aller jouer à la pétanque. Non, c'est pas bon. Tout le temps. Ouais. Quand je suis arrivé ici, on jouait pas à l'argent. On jouait pas à la coupe. Je jouais avec les femmes. Ah bon? La pétanque. Ah bon? Les hommes, je vais pas avec beaucoup de femmes, vous jouez avec moi. J'étais tireur. Ah bon? On gagnait des coupes. Ils étaient contents. Je jouais avec moi. Ouais. Ah ouais. Et en plus que ça, regarde dans mon dos, que ça les marque. Club police des frères de la côte. Mais quelle côte? Les frères de la côte. Quelle côte? Au port. Ah, au port alors. J'étais là-bas. Ah, club police des frères de la côte. Et je passais mon temps à jouer pour les sous. Pour les sous? Tous les après-midi, je partais à Savannah pour jouer 20 euros la partie. Ah bon? Tout le temps comme ça. Ouais. J'ai passé mon temps. Moi, je me levais à 405. Ouais. Hein? Fait que je suis là-bas, je monte à cet endroit. On est pas mon temps comme ça. Mais bon alors. Ouais. Okay. Mais bon, à soi nous mange Alsacienne là. Vous connaissez un petit peu l'Alsace? Hein? L'Alsace, un petit peu. C'est quoi ça? L'Alsace, le pays. L'Alsace, j'ai pas mis mes pieds là-bas. À Colmar, partout là. J'ai entendu, mais j'ai pas mis mes pieds là-bas. Ah, ouais. Bon alors. Ouais. Allez, bon alors. Ouais. Ok, monsieur Zangara. Allez. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Peut-être dire à tout le monde de passer à table, comme oui, ça on mange c'est l'entrée. Alors, ça c'est une tourte à la viande. Une tourte à la viande. Une tourte à la viande, une tourte alsacienne. Alsacienne, oui. Alors, une farce, oui, on a fait cet après-midi. Une farce à la viande cochon, bien sûr. Hein. Avec, de porc, excuse, c'est vrai. Après, avec des herbes, des épices, hein, pas trop épicé quand même. Sel, poivre, un petit peu d'herbe. Et puis très simple aussi, aujourd'hui c'est la cuisine simple. Hein. Ah bon. Mmh. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais avec un petit peu de persil. Les réunionnais qui regardent à nous aujourd'hui là, hein, oui. Et qui découvrent la cuisine alsacienne là. Hein. Ouais. Il faut aller doucement. Mmh. Ben ça, voilà. Mais ça suit voilà. Donc, la cuisine simple aujourd'hui. Hein. Simple, simple. C'est pas parce que c'est la cuisine alsacienne, bretonne, gnagnagna, c'est compliqué. Non, non. La cuisine créole, des fois, elle est plus compliquée que la cuisine des régions de France, hein, par exemple. Ah oui, oui, oui. Là, c'est une toile que tout le monde y peut faire. Alors, on a haché de la viande, on a mis de la muscade, sel, poivre, du persil. Ben voilà, en gros, c'est ça, hein. Voilà. Un petit peu de laurier, parce que nous, le laurier, c'est laurier, vin blanc, c'est à toutes les sauces. Et il paraît que le laurier, c'est l'autre qui remplace le thym. Voilà, ça donnait un autre goût, voilà, ça change un petit peu. Et après, il fait ça dans une... après le créole, il fait aussi. Bon, il peut mettre un petit peu de thym s'il veut, parce que le goût, bon, ben voilà, ça fait des petites variantes. C'est très bien aussi. Ben voilà, très simple, on va goûter avec une d'accord, salade. Voilà, okay. Salade verte et betterave. Ça aussi, betterave. Ça aussi, ils font souvent en Alsace. Ah bon, c'est pour ça qu'on m'a associé un petit peu avec la tourte. Voilà. D'accord, hein, la salade verte et la betterave. Et hein. Mais qui ça nous répond? Et des oignons blancs. Depuis. Et des oignons blancs à l'intérieur. Voilà. Hein. Ça change un petit peu de notre salade russe, hein, ça y ressemble. Ouais. Mais bon. Et la vinaigrette, la vinaigrette, une gousse d'ail, de l'huile, sel, poivre. Voilà, c'est tout, oui, simple, aujourd'hui simple, après petit à petit on va compliquer un petit peu, corser un petit peu,
pour que tout le monde y peut cuisiner aussi. Hein. Voilà, on commence simple. Hein. Voilà. Alors, il paraît que vous l'avez connu anciennement, la cuisine alsacienne, non ? Bah, la cuisine alsacienne, oui, un petit peu. Surtout que ce que vous m'avez remarqué, retenu, hein, c'est que Nana a une marmite spéciale. Oui. Marmite spéciale où ça y fait cuire justement ces plats que nous, on ne peut pas faire. Alors du coup, comme elle a essayé un petit peu comprendre, mais il ne veut pas dire que c'est... les sûres que me dit, hein, mais souvent nous fait la cuisine en fonction de ce que nous fait. Par exemple, quand il parle des tourtes, maintenant nous fait les tourtes, mais longtemps nous fait pas les tourtes, hein. Et pourtant tu fait des pâtes, hein, nous fait des pâtes. Alors moi ma pensée, mais il y en a fait aussi, c'est que nous quand nous t'es fait le banc de four longtemps là, hein, pour faire cuire, nous t'es tout ce qu'appelait les pâtes qui rappellent le four, nous t'es mettre ça sous la cendre. Mais nos marmites c'était pas les mêmes. Bonin, c'est des marmites en fonte. Tu vois, et quand elle était justement en relation avec ces personnes de l'Alsace et tout, évidemment, elle était important. Une fois, m'avait dit, allez, fais-moi plaisir, fais-moi tel machin. Demain, il gagne pas, il n'a point le stencil. Donc, il était important d'avoir le marmite en fond, tu vois. Donc, m'y pense que nous peut comprendre un petit peu pourquoi est-ce que nous l'a fait des choses un petit peu comme ça. Même si nous retrouvons un petit peu, par exemple, justement, la salade russe, par exemple, le pâté créole, nous prépenser, nous dit, ben, c'est ça, notre pâté créole, ça. Ben non, parce que les pas fait pareil, parce que nous connaît le four dans la cendre et tout ça. La braise, et puis nous connaissons le banc de marmite de marmite on m'avait fait tout ça, alors que Zod, je l'avais autre truc en fonte, il met dessus, il fait des pâtés, il fait tout ça avec, quoi. Mais c'est surtout aussi que c'est pas le même matériel, tu vois. Nous quand même pas dans le même environnement, hein. Voilà, ben on est fiers. Mais nous peut aller puiser un petit peu chez Zod. Ah, bien sûr, on aime bien mon chat aussi, moi. Il est bon. Change un petit peu. Ouais. Et Gaillard, Et puis maintenant, la peau est rose porcelaine, je vous entends. Non, ça n'a pas. Ouais, mais je suis garde ça. Radio, une affaire. Oui, c'est moi l'affaire. Écoute bien ce que ça me dit. Oui. Mais vous les dire, toute bonne. Ils mettent ça pour voter. Mais ils veulent être le maire. Si nous autres n'ont quelque chose, ils pourraient être d'azur. Ouais, sûrement. Demande aux autres. Zot qui appelle à moi, demande-moi mon numéro. On va me aider à Zot pour un azot service. Zot ne regrettera pas de la connaître à moi. Ça me dit où ça. Mais je suis occupé qu'on t'entend. Comment ça va les voisins? Et ça mange bien ça là? Hein? Vous l'aviez un petit peu comment on a fait cuire ça? Pas trop compliqué, non? C'est pas trop compliqué. Ah. Eh, pas trop compliqué. Suivre gay fait, hein? Suivre gay fait, hein? Oui. La vie, de sel, poivre, oignon blanc, laurier, le vin. Il faut utiliser ce bon vin, souvent, Rizmin, oui. Hein? Oui, oui. On va mettre dedans. Après, quoi, un petit peu de crème fraîche à la fin. Après, un petit peu de la farine ici, après, il y avait un petit peu de la farine. Il n'y avait pas de farine. Ouais, un point de farine, hein? Ouais. Point, hein? Vous voulez dire qu'on gagne cuisine ça ou non? Ah, presque. Ah, presque, hein? Ah, mais je dis presque, il me dit, ok, fait. Ok, fait. Charline, c'est vrai, hein? Ben oui. Presque, là, Patrick a dit, elle est un bat de salia. Là, le monsieur est déjà enregistré, là. Ouais, ouais. La prochaine fois, peut-être, toi, goûter avant. Ben, et quand on aura fini de goûter après, on aura l'occasion de goûter après. Ben oui. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, la prochaine fois, là? Pour qu'on décide un petit peu, qu'est-ce qu'on fait, nous? Fais pas encore? Oui, prochaine fois. Et pareil, lapin. Hein, bon, soit un lapin, soit un pintard de vermouth. Pintard de vermouth. Oui, oui. Ouais. Ah, bon. On a une affaire boutique? Oui. Mais voudrait qu'on passe à table pour manger du mandaï, de l'Alsace. Monsieur Sangaro, ma vie? Oui. Vous voyez qu'il est créole comme elle a? Ah ben oui. Ben, c'est bien. Oui. C'est bien. Ben oui. Ben il faut faire beaucoup de choses sur la terre. Ben, exactement. au moins, on fait ça. Mais bon, là, ok. Ben, on passe à table, là. Ok, on passe à table. Allez, en avant, on passe à table. Oh. Même discussion. Ça vient pas, non. Comment tu vas faire de Jean-Claude avec... C'est poulet, ça.
Non, c'est cochon. C'est pas bon, c'est cochon. Bah, hésitez entre faire poulet, porc, après, bon. Ça va, ça va. Ah oui. Plouf. Ça c'est le plouf. Ouais. Comment tu fais ça toi? Attends, je te fais dans ton assiette. Fais dans mon assiette, hein. Plouf. Jean-Pierre, c'est pas, tu appelles ça plouf? Non mais il faut le faire tomber de haut quand même. De plus haut. Non, attends, j'ai pas la lumière. Où t'es comme tu es écrasé là, hein. Il y a pas ça plouf. Plouf. Ah, ça pas fait plouf là, ça fait flif. Fais plouf aussi avec le ballon. Ouais, un petit, allez. Edwige, elle est meilleure que moi. Edwige, alors Edwige. Edwige, je l'ai. Edwige, ça fait des vrais ploufs, quoi. Mais les Alsaciens là, hein, ils sont bizarres. Bah oui, pas la fait écoute à haut là tout à l'heure là. Il fait comme la bouse de vache, quoi, dis donc. Ah ouais, mais bon, on va manger la pierre. Mais, ah, la bouse de vache, c'est pas méchant. Hein. Ah non, c'est pas méchant. Ça Yolande, on a fini, ça va où là, hein? Merci. Il y a des croutons aussi alors. Ouais. Il y a du riz aussi. La fait du riz aussi. Mais quoi, non? Qui ça a fait de riz là? Charlie, nous a fait de riz. Charlie, nous a fait de riz. Eh ben. Il a dit comme ça, ils mettent pas de riz dans la cuisine alsacienne. Banane, c'est des risottes. Banane a décidé que Zotti tropicalise la cuisine alsacienne. Voilà. Donc vous avez acheté un tas de. Allez voir ça. Oui. Elle fait cuit de riz. Mais c'est la cuisine alsacienne. Ah ben c'est avec les moyens du bord. Non, non, mais quel moyen du bord? Ah, mais l'acheter le pain après. Ouais, mais elle n'a pas d'acheter, mais... Elle n'a pas assez. Mais là, il mange le riz, le pain, le... Flout, flout, flout. Il mange le flout, il mange le riz, il mange le pain. Ouais. Et après, il dit plouf aussi, hein. Ben, il dit plouf aussi. C'est des pommes de terre. C'est des pommes de terre? Oui. Ah oui, c'est des pommes de terre. Ça n'a pas qu'il n'y mange pas. Ben oui, mais dans la cuisine, elle n'a pas la pâte. Tu veux la pâte? Ben oui, la peau la pâte. La pâte, non, ben la peau la pâte. Christelle, l'iron de la pâte. La peau la pâte. Ben, je ne connais pas, s'il faut noter, mais ça m'a dit zéro. Ça m'a dit zéro? Ben oui, parce que la peau la pâte. Attendez, comment waouh? C'est bien bon. C'est bien bon? Oui. Il a un peu de goût? Oui. Ah, c'est bon, c'est bon. Le goût est bon, hein? C'est bon, là. Christelle, pourquoi manger ou? Non. Où est-ce que manger, t'as là? T'as la maman salade? Salade? Oui. Avec le. Ah, on mange pas porc? Non, je mange pas porc. Ah, non, donc c'est pour ça que là, on mange que salade ou là? Ouais. Là où t'es comme Monsieur Sangara ou là? Oui. Le mange pas. C'est solidaire, ouais? Ah, c'est pas solidaire. D'accord. Et là, maintenant, ça mange le coq? Oui. Coq au Riesling? Ouais, là, mais plus solidaire. Plus solidaire, c'est ça? C'est bon, là. La barre, elle est haute? Moi, je voulais faire un repas ici, mais je sais pas si je vais arriver, hein. La barre, elle est haute. T'as pas parlé, moi, ça ici. On a le plaisir d'avoir un Gouglof. Yolande, comment il appelle? Un Gouglof? Gouglof. 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 C'est écrit Gouglof. Hein, monsieur doit savoir. Hein, tu sais ça, Gouglof? Ah, attends, bien sûr, qui ne connaît pas le Gouglof? Ouais. Ben voilà. Sauf que ça, c'est un Gouglof à La Réunion. Ouais. C'est quand même assez incroyable. C'est incroyable, hein, de manger un Gouglof à La Réunion. Et hein, qui aurait dit ça un jour? Qu'un jour que je mange. Non, c'est toi qui as fait? Ah non, quand même pas. C'est Jean-Pierre qui a fait? Ouais. C'est lui le spécialiste du Gouglof. On regarde pas trop le côté bancal, ça a capoté dans la voiture. D'accord. Le goût qui compte, c'est le goût. On va voir le goût alors. Ah là 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 là. Capoté. Alors, capoté. Pourquoi c'est aussi extraordinaire que ça, le Gouglof? Oh, c'est une spécialité d'Alsace, tout simplement. Hein. Oui. Voilà. Il y a des amandes. Oui. Mais moi, je pensais que le Gouglof, il y avait les boudoirs à côté. Ah bon? Non, ça, c'est Charlotte. Ah, c'est Charlotte. Excuse-moi. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je m'excuse. Ça se ressemble. Ça se ressemble. Attends. Ah, où? Mais ça, c'est le boudoir. Sophie, moi, je pensais qu'il y avait des boudoirs à côté. Non, mais c'est le boudoir. De la glace. Ah oui, il y a de la glace à l'intérieur, voilà. On va servir avec. Bonsoir, excusez-moi pour mon ignorance. Je pensais que le Gouglof avait des bougeoirs à côté. Des bougeoirs? Oui. Pour mettre des bougies dedans.
d'accord. Non, mais c'est pas vrai. Là, et donc, tu connais ce gâteau, hein. Écoute, oui, c'est un gâteau typiquement alsacien. Et c'est pour ça que c'est très extraordinaire de le manger ici. Et quand même, ça, ça se trouve pas partout. Il faut le savoir, le faire. Exactement. Mais exactement. Un kouglof sans bougeoir. Sans bougeoir. Tant pis. Si on parlait un peu bouglof. Alors, le kouglof. Oui, kouglof. C'est une petite bébête qui est très bonne à manger. Alors, le kouglof, c'est une pâte levée, un bon levain. Hein, et ça met à peu près 3 heures à le faire. Je te donne un assiette. Et c'est très bon. Vous allez goûter de toute façon. Je ne vais pas vous dire comment il faut faire. Je ne vais pas vous dire comment il faut faire. Il y a la farine, il y a les œufs. Il y a le beurre, et puis voilà, et le levain. Ah, d'accord, bon, la prochaine fois, émission spéciale sur le bouglof, là. Non, cassoulet. Cassoulet, la prochaine fois. D'accord, là. On cassoulet. Peut mettre du coulo, aussi, hein. Mais il faut battre beaucoup, hein. Faut battre beaucoup là-bas. Faut battre beaucoup. Oui, et c'est très long et assez difficile à faire, hein. Tiens, voilà. Et ça se mange avec un petit peu de glace. Oui, c'est comme on veut. Ah, c'est comme on veut. Ouais. Si on veut pas, on veut pas. D'accord, ok. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites avec ça ou là ? Ben la pitoune, faut venir rentrer chez moi. Et l'eau, ça met des sachets sous le tête. Ben oui, bien sûr. Il a dit cheveux Catherine, cheveux bouton. Mais Malba, cheveux quoi, André ? Malba aussi. Là, allez bien. Ben oui. Bon, ben nous retrouvons. Les bons. À la prochaine. Allez. On va prendre. Non, mais c'est pas ça, c'est que franchement, faut prendre froid. Hein, et grave, on s'en souvient. Oui, attends, voilà, c'est la dingue. Alors, ça, c'est pour le cher ami qui m'a permis de venir ce soir. Hein. Merci François. Merci Coco. C'est moi. C'est vous, c'est vous. Et puis, merci Jean-Claude. Merci toute l'équipe. Maman, ça, c'est pour nous. Oui. Et voilà les belles fleurs qui dansent sur notre jardin. Voilà, ça, c'est pour ce bord de la rivière en bas. Et l'avantage avec ces fleurs, ces roses pour soleil, c'est que ça peut durer un mois. Ce qui veut dire que pendant un mois, tu es obligé de penser à lui. Oh, rien que ça. Oh là là là. Que du bonheur. Que du bonheur. Le bon. Ok, ouais. Allez, nous retrouvons. Et s'ils ne vivent pas un mois, mais coupe un petit bout de la tige pour qu'ils vivent 2 mois. Ils vivent 2 mois après. Ah oui, c'est ça, nous retrouvons. Ouais, nous retrouvons. À la prochaine alors. À la prochaine. Où ça? Bah ici même, on passe à la bouche, au canal Austral. C'est bon. Allez, ce soir, Christelle les a sortis au mur. Effectivement. Ouais. Le jeune. Bon, François, on nous retrouve. Hein. Allez. Oui. Bye. Soirée alsacienne. Soirée alsacienne, mais vraiment très bonne. Très bonne. À cuisine top. Voilà, l'ambiance super. Vraiment génial. Voilà. Et bon, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Exactement. Peut-être même cette semaine même. Et bim, bim. Pour les rediffusions. Tous les soirs. Oui. Tous les soirs. Voilà, la rediffusion tout le temps. Donc, à demain encore. Et voilà. Big up. Big up. Allez. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.